Cette semaine, on quitte Santa Marta pour le Panama. Non, sans petite surprise. On part ça. On a une belle petite pied, on a un beau petit parc. Ça, ben, c'est tout de l'ombre. C'est fou de voir comment, parce que juste un peu d'ombre, on peut se sentir beaucoup mieux. Le soleil est tellement intense. C'est sûr que c'est tendance à sortir la GoPro ici. Je la tiens solide. Parce que, vous l'avez dit, on entend tellement de choses sur la Colombie. Mon ami Hans m'a dit de faire attention. Je vais faire attention. C'est particulier, c'est plein de couleurs. C'est quand même très beau, on va lui donner. La calor est loco. C'est ouvert. On a finalement une petite pause à l'air conditionné. Ça, ça fait du bien. Ici, c'est un genre de belle SAQ vraiment nice. Il y a même un bar. Fait que je présume qu'on peut faire des petites dégustations et compagnie. Je trouve l'idée assez géniale. Vraiment pas facile. Écoutez, je vais mettre mon air d'Angela Gallagher le plus solide pour dire. Je vais faire une belle petite publicité. Oui, oui, oui. Rien de moins. Non, produit miracle, sérieux. Quand on est sur l'eau, sur la mer, c'est fou. Le sel mange tout, 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 tout. Fait que Martin, l'autre jour, me dit, hey, chez Hans, ça va, là, il y a du stock incroyable. Fait que quand j'étais à Aruba, j'étais allé voir chez Hans, j'ai assez de stuff. C'est incroyable. Faut que je vous le partage, là. J'ai pas de part dans la compagnie. Si vous voyez ça, vous n'achetez deux autres bouteilles. Prenez ma parole. C'est Vitagro qu'il vous faut. Bon, on peut voir qu'il y a mes pinces, là. C'est pas le diable. Puis en plus, c'est hiver, c'est approuvé par Greta Thunberg. Ça, c'est ça que ça prend. On y laisse 5 minutes voir. Pas de farce, ça doit faire 3 minutes. Mes pinces, regardez. Ça a déjà changé de couleur. Puis regardez, il s'ouvre facilement. Des petites douilles qui viennent toutes carouiller, même affaire, même traitement. Donc, moi personnellement, écoutez, si vous avez un truc, écrivez-moi les dans les commentaires. On reste comme il faut. Et il y a les asperges de WD-40. Hein. Rust Remover. Merveilleux. Parole de Charbonneau, c'est Rust Remover qu'il vous faut. Mardi après-midi, je prends une petite pause de l'ordinateur parce que là, je t'ai préparé le départ, donc Marina, le chemin à la météo. Je prends une petite pause, puis là, ben, je m'en viens manger évidemment des petits ailes de poulet parce qu'elles sont très bonnes ici. Mais prenez-moi de ma vie. Comme au Subway, il donne des gants pour manger les ailes de poulet. Particulier. Donc, when in Rome, quand on est à Rome, on vient en Romain, ça a l'air. Là, je suis prêt à aller couper
la salade au saboué. Gant pas gant. On va faire le job. Donc ce matin, c'est Santa Marta. On s'en va à Minca. Minca, une des plus vieilles villes en Colombie. Donc, plusieurs façons. On peut prendre l'autobus. Il faut marcher à l'autre bout du village, prendre l'autobus. Ça coûte pas cher. Quelques dollars de plus, on peut prendre le taxi. Puis c'est trois fois plus rapide. Donc, go taxi ce matin. Là-bas, on peut embarquer sur une moto puis se faire promener là, les spots importants. Puis revenir à l'heure du souper. Fait que ça a l'air d'un bon petit deal. Parfait pour moi. C'est sûr que ça se peut que la moto parte le wheeler un peu quand le gars va me voir embarquer, mais c'est pas grave. Au pire, je la chaufferai, j'ai mes licences. Quand même très chanceux, je sais pas, un chauffeur de taxi super sympathique. Il parle un petit peu anglais, puis ben, je sors mon espagnol du dimanche. El conductor, c'est Rafael! Así es, así es. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto, ça veut dire enchanté. Là, il est vraiment gentil. Là, on sort de la ville, puis on commence tranquillement vers la campagne. Espérant que c'est pas la 15 nord, un vendredi soir. Mais ici, on va leur donner, il n'y a pas beaucoup de lumière hein, de trafic, des ronds-points, des carrefours giratoires, partout, partout, partout. On aime ça. Il est 9h, on arrive à Minca, quand même un beau petit village, ultra touriste, ça c'est clair, c'est partout partout, on nous demande, on nous offre plein de trucs. Je pense que j'ai trouvé mon spot, je vais tomber, être à moitié prix, espérant que je reviens d'un morceau. Non, on fait des farces là, mais oui, moto avec un chauffeur, parce qu'ici ça chauffe en débile mental, donc avec un chauffeur, on va aller faire les 3-4 spots que je veux faire, les cascades, les cils et ça. Ça c'est mon ami. Juan David. Thank you guys, you're welcome to Minca and enjoy all the rural area and the natural things that we have, waterfalls, coffee farm and the exclusive birds in Colombia. We have 427 species here in Sierra Nevada, so you're welcome. Le monsieur connaît son affaire, hein? C'est bon ça. Yo soy Andrés y ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Johan. Johan? Sí. ¿Habla inglés? Little man. Ah, sí. Un poquito español aquí también. Bueno, entonces... Donc, on décolle, on vient vers midi avec mon ami. Ah ouais, c'est le bébé. Bon, ben, on est parti. On s'en va vers Los Piños. Yes. Les deux pins. On est tombé. La moto est tombée sur mon pied. Là, comme c'est là. On va voir là. Peut-être qu'en arrière de mon chili, il va y avoir des surprises, mais bon. La moto est tombée dessus. Ça me tentait juste pas d'avoir le muffler sur moi, mais je ne l'ai pas eu. Ma soeur a eu ça plus jeune. Ça chauffe un peu. Bon. C'est la vie. C'est la vie là! Si, lo siento. No problema. Los Pinos. Watching Los Pinos. Ah! Son Los Pinos? Si, Los Pinos. C'est les deux pins qu'on voyait tantôt d'en bas. Malheureusement, en bas n'existe plus. Moi, j'ai absolument rien demandé. Là. Ben, il me sort le petit kid. Non, pour mes petits bobos. Ils font un petit fin quand même. Johan qui s'occupe de mes bobos. Non, c'est quand même une fois. C'est quand même gentil. Il se sent vraiment mal, c'est excusé 22 fois.
Ouais, on a un bel accueil. On a un bel accueil de Darwin ici. Gracias, amigo. La réception. Donc ici, on a deux sites. Deux sites sont pratiquement pareils. On a lui ici en bas que je vais aller voir. Puis après ça, on a en haut. Puis on aura une belle vue. Puis les deux mains blanches que je veux voir. Je vais piquer un somme. Les beaux petits spots pour aller s'écraser. J'aimerais ça pouvoir vous dire comment on se sent quand on marche sur les deux Mano Blanco. C'est bien dur à dire. Je peux juste vous amener, puis le droner, puis tout. Mais c'est toute une vue, ça je peux vous le dire. Ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a aucune clôture ou quoi que ce soit. Puis tu tombes ici, là. De se baigner d'une piscine infinie jusque devant toi, t'as pas mal l'infini aussi. Check ça. Le bout de le fun des expéditions comme ça, c'est que tu boucles la cascade Marinka en moto. Mais finalement, la moto arrête à peu près 100 mètres plus bas. Pas plus loin, plus bas. Depuis tantôt, c'est comme ça. Tout de suite après dîner. Puis, évidemment, un peu moins d'oxygène dans les montagnes. Mais heureusement aussi, un peu moins de calor. C'est pas tout le temps facile. Là, on va s'arranger pour vous amener quand même. On a un beau petit chemin à faire pour se rendre à la chute. Faut que je parle fort parce qu'il y a du bruit. Regardez-moi ça. Ça fait pas loin de 10 jours que je suis ici. Donc, le bruit de la marina, c'est bien correct. C'est sûr que moi, je parle en français. Puis eux autres, c'est les Espagnols, ils trouvent ça drôle. Là. Les demoiselles sont toutes contentes. Tu es sur YouTube. Ma belle petite bête m'attend. Je place les amarres, je place les défenses. Puis on part. Il est midi moins 5. Le timing est quand même bon. Le beau petit phare qu'on a droné. On est parti. On est parti vers Panama. J'en ai une qui est plutôt contente d'être sortie. Ça fait 10 jours qu'elle est dans le bain. J'ai sorti dans mes bras une couple de fois, là, on s'entend, je suis pas sauvage, mais. Un peu d'air, ça va fatiguer. Donc, 2 jours et demi de nage. Il est mieux d'avoir plus d'avant que ça, parce que je pense que ça va en prendre 3 jours. Mais c'est pas grave. Donc, un autre pays. Check, ça s'en vient. Ihou. Va là.
Les voiles sont sorties à grandeur. On fait 5 nœuds. À cette vitesse-là, 2 jours et demi. La question qui tue, c'est... pourquoi? Pourquoi se sauver de la Colombie de même? Bon, écoutez, c'est pas dur. J'aime bien être à l'ancre. J'aime bien être à Marina une couple de jours, mais j'aime bien être à l'ancre aussi. Un, ça coûte des sous, la Marina. Et puis, habituellement, comme à Aruba, quelques jours à Marina, plusieurs jours à l'ancre, quelques jours à Marina, bon, on se promène, puis c'était bien correct. Ça te permet de faire des commissions, manger au restaurant, puis de gâter un peu. Ce que je ne ferai sûrement pas ce soir. Ben, je vais dormir là, sur le banc. Ceux qui ont vu l'épisode de 71. À Santa Marta. Il y a un Canadien qui est là au mouillage. Ils ont essayé deux fois d'y péter ses ancres. Les pêcheurs, ils ont parlé avec sa femme, qui est péruvienne, donc, par l'espagnol. Puis ils ont tiré notre territoire de pêche, j'ai pas d'affaire de mettre à l'ancre ici. Et pourtant, sur Navionix, c'est un mouillage. Donc, deux fois dans la nuit, ils sont fait réveiller à faire picosser sur leur bateau. Oh, que ça, ça me tente pas. Segundo, donc, on oublie le mouillage. Donc, tu vas à Marina. Si tu vas à Marina, c'est 40-50 piastres par soir, plus l'électricité. C'est pratique, c'est facile. La vie est muy facile. Pero, los dineros. Puis tu peux pas aller à l'ancre ici. En gros, c'est ça. Tu peux pas. C'est vraiment pas recommandé. Je regarde Cartagena. Cartagena, qu'est-ce qu'ils me disent? Les deux marinas sont pleines. Il y a deux marinas bien cotées. Les deux sont pleines. J'ai parlé au gars, il y a un mouillage à côté du club Nautico. Le gars me dit, c'est 10 fois pire qu'Aruba. Près de l'aéroport, c'est-à-dire que des bateaux qui arrêtent pas jour et nuit. Les bateaux arrêtent pas, puis ça passe à 10 pieds de toi, puis il dit ça n'a pas de bon sens. Et le fond, il est boiteux, donc pas l'idéal pour mon ancre. Puis le point que j'oubliais de vous dire, c'est ça, c'est que quand, même si tu trouves un beau spot, un beau mouillage, solide, toi, tu t'en vas au bord, ton bateau, il est seul, là. Mon petit chien est seul. Non, mais mon bateau surtout. Moi, je reviens, puis il est vide, là. Puis il y a une madame à qui j'ai parlé hier soir au petit restaurant. Elle m'expliquait qu'elle, justement, oui, des amis personnels à elle, récemment, sont venus, puis ils avaient vidé le bateau. Elle dit qu'il était débarqué une couple d'heures. Ça me tente-tu? Non. J'ai mon ordi, toutes mes vidéos, toutes mes affaires. Non. Fait que je vais aller où est-ce que je peux laisser mon bateau, avec des gens pas loin, qui vont garder un petit œil de temps en temps, aller faire un petit tour au bar, chercher l'épicerie, et revenir au bateau. En gros, c'est ça la pétanque. Parce qu'on peut le barrer, le bateau. Bon, vous savez, il n'y a rien de plus facile que défoncer et rentrer dans un bateau. Que le Beneteau, là, peut-être qu'il y en a qui sont plus des trucks la Brinks, là. Mais moi, le mien, là, un petit couteau, là, tu lèves ça et ça s'ouvre. C'est sûr que les bons vieux trucs de police, là, c'est beaucoup de lumière, puis ma fausse télévision, Angie peut défendre le bateau. Ça vient avec des bonnes griffes, qu'il faut que je coupe, d'ailleurs. La belle vague, un bon vent, ça ballotte pas trop. Minou fait dodo, pas trop d'argent. Tout va bien. Le dos du bateau, je l'ai appelé.
C'est vraiment pas comme elle. De disparaître de même quand je l'appelle en plus. Là, il fait noir vraiment comme chez le loup. Là. C'est des éclairs toute la veillée, fait qu'il n'y a aucune lune, aucun rien. Donc, j'ai viré de bord. 180 degrés, backtrack. Pauvre titre. Elle comprend rien. Elle n'avait rien compris. De pas aller jouer sur le bord. Le lendemain qu'elle était tombée, elle rejouait sur le bord. Si je la retrouve là, demain elle va rejouer sur le bord. Ça me fait capoter. Minou! Angie! Angie! Come on! Angie! Angie! Ça pince. Ça pince. Donc j'ai de la peine, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Bye bye Angie, bon voyage. C'était vraiment mon dernier chat, là je suis vraiment solo. Je savais pas la suite du voyage, c'était où, mais ça vient de me donner un grand coup d'inflamme, on va vous le dire. Mais bon. Je pouvais pas l'enfermer à journée longue. Je pouvais pas, voyons donc, fais pas ça honnêtement. Bon ben, ça va être ça pour la soirée. Samedi, 7h15. On vient officiellement dépasser le point le plus loin où on était hier, c'est-à-dire où j'ai redescendu pour la chercher. Ma trace est activée, fait que je sais que c'était jusqu'ici à peu près qu'on était, quand j'ai viré de bord. Donc c'est officiel qu'il n'y a plus d'Angie à bord. Le bateau il est grand. Je suis pas capable de me faire l'idée de vider sa litière et toutes ces affaires. Il n'y a pas d'urgence. Je vous dis des bouts je m'en veux puis d'un autre sens. Il n'y avait rien à faire. Un chat, c'est pas fait pour être enfermé dans une salle de bain à journée longue. Là. Chercher, éviter. Ça a été 3 heures à redescendre toute la route jusqu'au point de 19h30. Ça a été un autre 3 heures remontant en douceur. En avant, à surveiller. Avec le spot, parce que je me disais que la lumière, ben, ces deux petits yeux, ils auraient pu sortir bien fort comme il y a 2 semaines dans l'épisode. Oh, petite pilote. C'est ça. On va passer. Calvin. Jusqu'à 3 ensemble, déjà peut-être pas.